et améliorer la qualité de vie des habitants et accompagner les transitions en milieu ruraux. C'est tout l'enjeu de cette convention signée par les élus de Vassier et de la Porte du Der. Ces deux communes ont récemment obtenu le label de Petite Ville de Demain, un dispositif de l'État destiné aux villes de moins de 20 000 habitants pour les accompagner dans la mise en œuvre de projets de revitalisation. 1600 communes sont concernées pour un budget de 3 milliards d'euros. Écoutez le maire de la commune d'Hervoise, Jean-Jacques Bayer, au micro de Toby Piron. L'enjeu de cette signature est très important pour deux raisons. Une, elle va nous aider à réaliser des projets locaux qu'on avait déjà identifiés, mais les réaliser plus rapidement. Mais d'autre part, surtout, projeter la commune en avant dans les 20 ans à venir, d'avoir une dynamique à long terme, notamment concernant les économies d'énergie et la rénovation des bâtiments, qui sont une chose la plus importante maintenant et qu'il va falloir faire, et on la fera ensemble avec région, département, État. Et ça, c'est quelque chose de très bien pour nous.